Être chrétien, ça veut dire quoi ? 56e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, électeurs, auditeurs inconnus. Ayant assimilé que Jésus et Marie, sa mère, sont les deux premiers humains que Dieu a ressuscités dans leur chair, nombre de chrétiens ont pris le cœur de Jésus comme symbole de l'amour divin et le cœur de Marie comme symbole de la miséricordieuse tendresse de la maman du ciel que Jésus leur a donnée du haut de la croix. Ces croyances, qui proviennent des attitudes contemplatives de la Vierge Marie, dont la foi inconditionnelle lui permit d'accueillir le Messie au plus intime d'elle-même, de bien l'élever, puis effacer, de le soutenir tandis qu'il dispensait la bonne nouvelle jusqu'à son épreuve finale, de l'adolescent Jean, qui, tout contre la poitrine de Jésus, le soir de la scène, l'accompagna le lendemain jusqu'au pied de la croix, en dépit du risque qu'il prenait, et de l'admiration de Marie-Madeleine, qui ne se lassait pas d'écouter Jésus, et fut la première disciple à qui il apparut ressuscité, sont à l'origine de ces deux dévotions particulières. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Je rappelle que pour les chrétiens, Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est incarné sur terre et s'est librement laissé condamner à mort pour racheter l'humanité du péché originel commis par Adam et de tous les autres péchés que, depuis, nous ne cessons de commettre. C'est sur ces certitudes, entre autres, que s'appuie la foi chrétienne actuelle. La révélation particulière du Sacré-Cœur de Jésus représente l'amour divin, la miséricorde et la charité envers son prochain. Elle s'inscrit dans le droit fil de la croyance catholique qui veut que l'amour de Jésus a été tellement grand qu'en se sacrifiant sur la croix, il a obtenu le salut de l'humanité. Je rappelle que, même si elles sont reconnues pour vraies par l'Église, les révélations particulières ne constituent en aucun cas des articles de foi. Qui se rappelle que la célèbre basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été consacrée, si j'ose dire, par l'Assemblée nationale elle-même, laquelle en a voté la construction en 1873, en réparation des infidélités et des péchés commis par la France, cause spirituelle de ses malheurs, alors que la France avait déjà sérieusement commencé à s'orienter vers la laïcité. Étoffant ce que j'ai avancé en préambule, voici les trois événements qui sont à l'origine de cette dévotion originale. Le premier, l'apôtre Jean l'évoque dans son évangile lorsqu'il rappelle que, pendant le repas de la scène, sa proximité avec Jésus lui valut de servir d'intermédiaire à Pierre pour aider les disciples à comprendre de qui Jésus parlait à mots couverts. Le second, lorsque, pour s'assurer que Jésus était bien mort, le soldat romain lui transperça le cœur, le même Jean, qui se tenait alors au pied de la croix, a témoigné qu'il en sortit du sang et de l'eau. Troisième se passe bien plus tard, au XVIIe siècle, à Paray-le-Monial, un coin perdu de la France profonde au cœur de la Bourgogne, où Jésus apparut plusieurs fois à Marguerite Marie, une religieuse de l'ordre de la Visitation, et lui révéla la blessure que recèle son cœur. Que se passe-t-il au cours de ces trois dernières révélations particulières ? Apparition de 1673. Jésus fait reposer la tête de la religieuse sur sa poitrine et lui dévoile ce qu'a vécu son Sacré-Cœur, qu'il lui présente à la fois entouré d'épines, comme il en a lui-même été couronné par dérision lors de son procès, et surmonté d'une croix entourée de flammes. Jésus, qui commente alors ce qu'il dévoile à Marguerite Marie, dans le langage précieux du XVIIe siècle, « Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Apparition de 1675. Toujours en lui montrant son cœur, Jésus lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour, mais qui, au lieu de reconnaissance, ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce sacrement d'amour. » À la suite de quoi Jésus lui demande de faire instituer la fête du Sacré-Cœur. « Je te demande que le premier vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. » Apparition de 1689. Jésus confie à Marguerite Marie la mission de demander au roi Louis XIV la consécration de la France à son Sacré-Cœur et sa représentation sur les étendards du royaume.
Marguerite Marie en parle donc autour d'elle, mais comme personne ne la croit, sa supérieure lui demande de rentrer dans le rang. C'est parce qu'elle lui obéit scrupuleusement et témoigne d'une particulière charité qu'elle finira par se faire entendre et que ses révélations particulières se transformeront en culte. Culte particulier qui nous vaut ces tableaux dans les églises où Jésus, de façon surprenante de naïveté pour ceux à qui n'a pas été expliqué qu'ainsi était symbolisé l'intensité de son amour pour les hommes, est représenté exposant devant sa poitrine son cœur entouré de flammes surmonté d'une croix. Et la fête du Sacré-Cœur, célébrée le troisième vendredi suivant la solennité de Pentecôte, avec une messe qui lui est consacrée. La dévotion au cœur immaculé de Marie. Dans la même veine, lorsqu'au scribe qui lui demande quel est le premier des commandements, Jésus répond « Tu n'auras qu'un seul Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ce mix spiritualité-intelligence-corps dont tu es composé, en lui précisant qu'aimer Dieu ou son prochain, c'est pareil. » Pour qu'il soit bien clair que l'amour qu'il prétend avoir pour Dieu doit se traduire concrètement par l'amour dont il doit faire preuve pour les autres, et quand vous savez que cet amour l'a amené à mourir volontairement pour en témoigner, et a conduit de même Marie, sa mère, à l'accompagner jusqu'au calvaire, vous avez compris qu'il ne prône pas un sentimentalisme mielleux. Telles sont les sources de la dévotion mariale des chrétiens, à laquelle se sont abreuvés, entre autres, Saint Bernard, Sainte Marguerite Marie, Saint Jean Eudes et Saint Louis Marie Grignon de Montfort, avant que Marie n'apparaisse aux petits voyants de Fatima et leur révèle que Dieu souhaitait qu'un culte à son cœur immaculé soit organisé pour le salut du monde, en particulier pour la Russie. En 2022, après que les papes Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II se soient relayés pour consacrer le monde entier au cœur immaculé de Marie, la guerre en Ukraine a décidé le pape François à procéder explicitement à cette consécration à la Russie qu'avait demandé Marie lors de son apparition en mai 1917. À Fatima, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie dira à Lucie, l'une des trois enfants auxquels elle est apparue plusieurs fois, « Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » En 1925, lors d'une nouvelle apparition, Jésus dira à Lucie, entre-temps devenue religieuse, « Devant Marie qui tient dans sa main un cœur entouré d'épines, aie compassion du cœur de ta très sainte mère. Ce cœur entouré d'épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment sans que personne ne fasse acte de réparation pour les en retirer. » Marie précisant, « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, tâche de me consoler. » Puis Marie demandera à Lucie, « Dis à tous ceux qui pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, que je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Cette dévotion mariale consiste essentiellement à réciter le chapelet. J'invite celles et ceux pour qui ce genre de pratique mystique est aux antipodes de ce qui leur est audible à nuancer leur façon de penser, ne serait-ce qu'en raison des nombreux chrétiens que ce genre de croyance a aidé à grandir en humanité, et des hautes personnalités qui y ont adhéré. Par exemple, le fondateur de la célèbre école biblique de Jérusalem qui écrivait, dans l'avant-propos de sa traduction de l'évangile de Saint Jean, « Nul ne peut en acquérir l'esprit si, comme Jean, il n'a reposé sur la poitrine de Jésus. » Ce savant affirmant même que, pour lui, la connaissance de l'enseignement de Jésus ne consiste pas seulement en un travail livresque, mais exige une connaissance de l'amour de Dieu, lequel amour jaillit du cœur de Jésus. M'étant engagé à vous livrer un minimum de connaissances nécessaires pour comprendre l'histoire de France et de l'Occident chrétien, je vous devais de ne pas passer sous silence ces croyances inattendues pour la plupart d'entre nous. Ma prochaine lettre vous brossera les principales étapes de l'histoire du christianisme au cours de ces 2 millénaires. Fraternellement.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.